Félicitations d'avoir choisi de mener à bien votre projet immobilier et ce de manière structurée. Je vous le dis souvent, la méthode, la méthode, la méthode. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance. Je suis Hélène Marotta, je suis conseillère en immobilier sur le secteur de Bornel et sur le secteur de Chambly. 30 ans d'expérience dans le domaine du commerce, 7 ans d'expertise dans le domaine de l'immobilier, un petit peu plus de 100 familles accompagnées pour l'aboutissement de leur projet et de leur maison coup de cœur. C'est de cette expérience que j'ai pu tirer les différentes fiches pratiques que je vais vous proposer aujourd'hui. Ces fiches, elles sont simples, elles sont concrètes et elles vont vous permettre de commencer à structurer votre projet immobilier. Parce que dans la plupart des cas, vous voulez vendre et vous voulez racheter et faire coïncider les deux projets. Bien évidemment, c'est la solution la plus simple parce que cela va vous éviter le pré-relais ou tout simplement un déménagement à faire en plus. Bien. Et bien voici, je vais vous proposer ma méthode. Dans un premier temps, je vais vous demander de déterminer votre budget, votre flexibilité et surtout de devoir déjà commencer à réfléchir à des concessions. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Il vous suffit tout simplement d'entourer sur le papier et de cheminer un petit peu l'ensemble des documents. Il va falloir tout simplement être honnête. Et ouais, être honnête avec soi-même. Des fois, c'est pas forcément la chose la plus évidente. Sur le support suivant, je vais vous reprendre les différentes étapes de la vente, je vais vous reprendre les différentes étapes de l'achat et je vais vous expliquer comment les faire coïncider tout simplement. Le document suivant est sorti donc de mon cerveau où j'ai déterminé deux profils. Enfin, deux profils. On va plutôt parler de trois profils, trois scénarios, trois typologies, trois personnalités que je vais vous inviter à découvrir. La première, on va l'appeler le passionné. Le deuxième, on va l'appeler le prudent. Et le troisième, que j'ai déterminé comme un petit peu plus tranquille. Et vous allez voir au fur et à mesure les différentes étapes qui vont pouvoir découler de ce projet et ce, en fonction de votre personnalité. Le document suivant, on va reprendre encore une fois les trois personnalités, on va analyser les avantages, les inconvénients et surtout, on va rajouter une donnée qui est excessivement importante, à savoir la notion de temps et la notion de durée. Enfin, sur le dernier document, on reprendra l'ensemble des informations, on y rajoutera les tâches qui sont indispensables, on mettra un point sur les pièges à éviter et je vous redonnerai quelques conseils. Bon, vous savez maintenant comment organiser et comment structurer votre projet une fois que vous aurez téléchargé les documents. Mais mon accompagnement ne s'arrête pas là. Vous savez qu'un projet immobilier, c'est un projet sur mesure, c'est un accompagnement de A à Z, c'est ce que je propose à mes clients. Et je vous propose d'aller plus loin, tout simplement en prenant un rendez-vous. 30 minutes pour pouvoir échanger téléphoniquement sur votre projet et comment vous souhaitez avancer sur ce joli projet. Je vous laisse cliquer juste en bas de la vidéo, vous accéderez directement à mon agenda. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une bonne lecture, un bon travail de fond et appelez-moi. Bonne journée !